fini les plaintes. Eh bien salut les amis, c'est Carmando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de... Enfin non, c'est pas la suite de Yo-Kai Watch 3, c'est la suite des tutos de Yo-Kai Watch 3. Donc aujourd'hui on va récupérer 6 yokai, ça fait beaucoup donc il va falloir aller très vite. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Sachez quand même que juste avant, toujours les QR codes, merci à Yo-Kai Watch World de les mettre à notre disposition. Donc je vais vous montrer les QR codes des yokai qu'on va chercher dans l'épisode, je vais vous les montrer dans la vidéo. Mais comme d'habitude je ne vous montre pas les QR codes des fruits défendus, déjà parce que je pourrais en montrer dès que vous avez déjà scanné. Et en plus de ça, parce que pour remercier Yo-Kai Watch World, allez les voir sur leur site. Donc ils ont changé de système, ils ont eu des problèmes, maintenant c'est plus une page avec les QR codes, c'est un fichier zip qu'il faut télécharger, je vais vous mettre le lien, vous pourrez le télécharger dessus et vous pourrez récupérer tous les QR codes qui existent de Yo-Kai Watch. Donc voilà. Bref, donc c'est parti. Alors normalement les QR codes je les ai ouverts juste ici, oui j'ai des QR codes que je devrais échanger. Alors on commence par celui-ci, très bien, et donc... Voilà, une carte à jouer numéro 10. C'est bizarre, hein, ça commence bizarrement cet épisode. Ensuite... carte Joker, je crois, là. Ouais, carte Joker, c'est le Joker de Batman, là. Non, quand même pas. Ensuite, là, c'est Chevalier, non? Je crois que c'est Chevalier. Chevalier, Cavalier, jamais vraiment su, en fait. Non, c'est l'As? D'accord, ok, très bien. C'est les cartes du jeu de bataille, en fait. Ça, c'est... Ah, je sais pas. Je sais pas qui c'est là. Le valet, non? Le valet. D'accord, très bien. Je vous dis pas quel yokai correspond à ça. Vous le savez peut-être déjà, ou sinon essayez de deviner. Là, c'est la reine. Vous allez rigoler quand vous allez voir quel yokai est la reine. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est très bizarre. Je pense que s'il était au courant, il serait pas content. Non, c'est pas Whisper. Ce serait drôle, mais c'est pas Whisper. Et pour finir, le roi. Voilà, très bien. Donc c'est bon, on a scanné les 6. Parfait. Donc on va y aller. Je sais pas exactement où sont ces yokai. Je crois qu'ils sont tous dans la même zone. En vrai, j'aurais peut-être dû regarder avant de commencer cet épisode. Mais en vrai, je crois qu'ils sont tous dans la même zone. Attendez, je sauvegarde. Donc oui, je sais quelle zone c'est, normalement, je crois. Par contre, je sais pas où, parce que c'est une zone vaste. Et donc je sais pas si... Mais attendez, mais j'ai un Télémire là-bas? Ouais, c'est bon, il me semble que c'est dans le manoir des cardamomes. Cardamome, c'est ça. Et qu'il me semble que c'est là-bas. Comme je vous dis, j'aurais peut-être dû vérifier avant. On zoome un peu, non, il n'y a pas de yokai à l'extérieur, on ne dirait pas. On va pas retomber dans la grotte, là. Non, très bien, on nous laisse rentrer. Je suis jamais rentré dans cette maison par la porte d'entrée. pourtant, souvent, quand on rentre dans une maison, on rentre par la porte d'entrée. Mais pas toujours, on peut rentrer par la fenêtre. Alors... Où est-ce qu'ils peuvent être? Je pense qu'il va y en avoir un dans chaque salle particulière, quoi. D'accord, ça commence bien. Alors, je viens, il y avait un coffre dans cette salle de bain avec une huile de bain parfumée. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Oh, mais ce serait pas un objet de fusion? Ah, ben peut-être pour faire fusionner, justement, celle qui était dans... Enfin, pour avoir celle qui était dans la baignoire, là. Ah, stylé. Attendez, c'est où? Si c'est un objet de fusion, ils sont où, les autres? Ah, bah ouais, d'accord. Ouais, ça doit être ça, ça doit être pour fusionner celle qui était dans la baignoire, là. Ah bah, il y en a un ici, non? Il y en a un là, il y a la reine. Attendez, il y en a pas un là-bas. Ah, il y en a un aussi là, bah, on va commencer par lui, et après on fera la reine. D'accord, donc là c'est le roi. Donc quand on fait roi, reine, on va aller de haut en bas, en fait. Enfin, quoi que là, c'est plus fort que le roi, je crois. Et le Joker aussi, effectivement. Le Joker, il est plus fort que l'As, ou il est aussi fort que l'As, je sais pas. Ça dépend des jeux aussi. Nyahaha, pas tout à fait. Nyo, oh, oh, tiens, une plus royale, nyo. Qu'est-ce que tu fabriques à rire tout seul? Tu m'espionnais? C'est un affront envers mon être royal. Un être royal? C'est vrai que tu es déguisé en roi. Je ne suis pas déguisé, je suis un vrai roi, nya. Apporte-moi des barres de chocolat immédiatement, nya. J'aime mieux que ça. On n'est pas tes serviteurs. Alors, je ferai de vous m'essuyer. Enfin, si vous pouvez me vaincre, nya. Commencez le combat, c'est parti. Je vais vous tester pour voir si vous êtes digne de me servir, nya.
Je vous invite à dire dans les commentaires de la vidéo quel est votre yokai préféré parmi les 6. Normalement, je fais toujours un sondage en haut, mais là, je pourrais pas le faire parce que les sondages sur YouTube, il me semble qu'on peut mettre que 4. Enfin, si on peut en mettre 6, je mettrai un sondage. Donc vérifiez quand même, mais s'il n'y a pas de sondage, c'est parce que normalement, on peut mettre que... Il me semble qu'on peut mettre que 4 propositions et là, bah, ça en ferait 6. Donc, alors... On va commencer donc par lui envoyer un fruit défendu. Normalement, c'est le chocolat qu'il aime, il vient de dire ça. Ouais, c'est les barres de chocolat, ok, tout simplement. Bon, bah allez, c'est parti. Est-ce qu'on va réussir à le battre? Je ne sais pas. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'il soit puissant. Mais après, c'est normal, hein, ça devient des yokai un petit peu plus chaud. Oula, ok, il n'est pas mort, très bien. Ah, mais attendez, j'aurais dû utiliser mon âme ultime, là. Il avait bougé, j'ai oublié. On lui fait pas énormément de dégâts. Enfin, j'ai l'impression que si on lui fait pas mal de dégâts, mais en fait, c'est juste qu'il a beaucoup de vie, quoi. Ah, le blaster, ça peut être pas mal, ça. En plus, baisse de la défense. Pas mal, pas mal. Bon, allez. Pas l'amitié. Pas l'amitié. Très bien. Très bien, c'est pas l'amitié. Bah non, attendez, avec le fruit défendu, c'est bon, j'ai déjà 100% de chance d'être ton ami. Bon bah le blaster c'est tellement le truc super pratique pour tuer les yokai facilement. J'ai l'impression que ça fait pas beaucoup de dégâts au boss. Mais contre les yokai de base c'est quand même plutôt pas mal. Faut le reconnaître. Alors, on augmente de niveau? Non, même pas. Enfin ouais, il y en a un qui augmente de niveau, très bien. Ok, on augmente pas beaucoup d'argent, c'est un peu nul. Roi Jibayan s'approche. Je suis ton monarque, veux-tu te ranger sous mes ordres chevalier? Bah oui, 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 quand même hein. Ok, bah il a la même voix que Jibanyan d'habitude. Et les noms qu'il lui donne, c'est quoi? Jibaroi, 13. Pourquoi 13? Je sais rien. Simba, King, Basileus. J'ai pas compris Basileus non plus. Simba, ouais, bon, ça se comprend, même si Simba, c'est pas vraiment un chat, mais disons que c'est un gros chat, quoi. Un gros chat qui peut manger des gens, quoi. Enfin bref, on a notre premier yokai. Impossible, il a été détrôné! Nyon, je dois juste être fatigué. Oui, voilà, gna. Mon être royal doit se reposer. Reviens demain. Mais non, 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 je reviendrai pas demain, t'es déjà mon ami. Donc oui, bah, en tout cas, encore une fois, c'est un yokai avec qui on peut devenir ami à l'infini, ça c'est cool. Salut, ma reine. Nom d'un burger, comment j'en suis arrivé là? Vous avez la mine renfrognée, madame, que se passe-t-il? Je suis pas une madame, bon sang. J'ai perdu un pari, résultat, je suis dame Yusapion. Ah, c'est pour ça. En tout cas, sache que ça te va bien, sincèrement. Je voulais être le roi Oulas, tu comprends? Ça aurait été super cool. Allez, tu dois agir comme une vraie reine. Une reine? Oui, c'est ça. Si tu me bats, je te laisserai être mon sujet. Quoi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Commencer le combat? Ouais. Oh, 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 engageons le combat pour me divertir. C'est ce que dirait une reine, non? Donc qu'est-ce qu'elle aime, Yusapion? Yusapion, elle doit aimer les burgers, non? Elle parle tout le temps de burger, donc j'en sais rien, en fait. Ça se trouve peut-être même pas, en fait. Hein. Alors, je vais mettre un autre yokai à la place de Wobonyan, parce que Wobonyan, voilà, quoi, il a perdu pas mal de vie. Les beignets, j'aurais pas cru. J'aurais vraiment pas cru. Bon. Est-ce que toi, tu vas te mettre là? Alors, Tofupion, il va pas tarder à y passer. Ce serait bien de pas attaquer, Tofupion. Ah bah, adieu, Tofupion. Ah ouais, ouais, c'est pas cool. Ah quoi? Il revient à la vie? Ah mais oui c'est vrai, c'est son pouvoir, c'est plutôt cool ça. Vas-y, mets-toi derrière, comme ça vraiment tu feras pas attaquer. Enfin, en tout cas... Oh si, mince. Ah c'est dommage. Bon, on va y aller avec ça. Par contre, ouais, je vais plutôt y aller comme ça. Comme ça au moins, normalement là il peut plus se faire attaquer, Yusapion. Mégalopole prend cher aussi, hein. Ce serait bien d'avoir le blaster là au plus vite. Ouh là 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 là, c'est yokai, il faut avoir un bon niveau je pense pour les battre, hein. Surtout qu'ils font pas gagner beaucoup d'XP, donc... ah, très bien, très bien. Le problème, c'est que le blaster, il peut tomber sur amitié, c'est pas cool. Ah, c'est quoi ce... Oh non, cet amulti même fait peur. C'est quoi ça? Oh, j'ai eu peur. Quand j'ai vu qu'il regagnait des vies, j'ai eu peur qu'il en regagne énormément. Il en a regagné 105, hein, c'est bon. Hein. 105, c'est pas énorme. Bon, pas l'amitié, pas l'amitié. Je t'en prie, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. On veut pas de l'amitié. Eh bah mince, ok, super génial. Bon bah on s'en moque, de toute façon on a déjà 100% de chance de devenir son ami, donc ok, renforçons encore.
histoire qu'on ait 200% et qu'on fasse bugger le jeu parce que on va voir dépasser les 100%. Non, ça n'existe pas comme bug quand même. Il y avait ça dans Weeble Wobble. Dans Weeble Wobble, il y avait ça comme bug. Si tu utilisais trop d'âme ultime d'amitié, en fait, et bah, tu dépassais la limite. Et donc, tu partais dans des chiffres négatifs. Et donc, tu avais moins de zéro chance. Genre, ouais, dit comme ça, ça paraît bizarre. Mais tu avais moins de zéro chance de devenir son ami. Donc, c'est pas ouf, quoi. Comme système. On peut utiliser. Ah, ça, on peut utiliser ça sur un de nos amis, mais bien sûr que j'ai utilisé sur un de mes amis, vous m'avez pris pour qui. Alors, quand est-ce qu'elle va bouger quand même? Allez, ok, c'est bon, ça c'était ce que je voulais, comme ça maintenant je peux utiliser ça. Je dis elle, hein, alors que c'est pas vraiment une elle, mais bon. Allez, non! Les yokai qui bougent au dernier moment, genre t'as même pas le temps de charger ton âme ultime, c'est incroyable! Oh là là, non, 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 ce serait bien de pas mourir. Faut que j'aille me soigner juste après ce combat, hein. Parce que c'est difficile. Wobonian, il va y passer. Mais juste après, j'ai le blaster. Allez, j'ai le blaster, j'ai le blaster, j'ai le blaster. Ok, c'est reparti pour ça. Pas l'amitié. Non, non, sérieusement. Mais quand t'as... Bon, c'était pas au max, mais non, mais c'est... L'une des nombreuses fois où l'aléatoire dans Mika Watch, c'était vraiment nul. C'est vraiment pourri, quoi. Enfin, enfin bref, tant pis. Allez, vas-y. C'est bon? Parfait, parfait. Je sais qu'elle veut devenir notre amie. Et là, elle regagne des vies, bien sûr. Oh là là, c'est super long. Et voilà, adieu à toi. Je vais mettre lui, parce que lui, ça doit être un bon tank. Je pense. Ah. Mais attendez, ce serait pas une autodestruction cette attaque? J'espère pas. J'espère pas, hein. Peut-être que si. Ah bah mince. Aïe. Ok, c'est effectivement une autodestruction. C'est pas ouf. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, elle a plus beaucoup de vie. Je pense qu'on va y arriver quand même. Ah tiens, vas-y. Non, non, non. Non, 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 je veux pas qu'il meure. Voilà, âme ultime. Non, non, non. Et bien sûr, ça me donne la pire âme ultime à charger, quoi. Allez, tire, tire, tire maintenant. Maintenant. Non, elle va... Ouf, j'ai eu peur qu'elle bouge. J'ai eu trop peur. Toujours pas morte, hein. Il n'y a plus besoin de beaucoup de coups, hein. Ça devrait être bon. Oh non, 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 non. Blaster, on l'utilise? Ouais, il vaut quand même mieux l'utiliser, hein, on sait jamais, hein. On sait jamais. Enfin, il doit vraiment plus lui rester grand-chose quand même, mais bon, c'est trop risqué, c'est trop risqué. Allez! Et ils ont même pas fait un système pour faire en sorte que quand tu es déjà à 100% d'amitié sur tous les yokai en présence, tu puisses pas tomber sur l'amitié. Genre, ça leur a pas traversé l'esprit. D'accord, très bien. Encore une fois, je suis déçu de level 5. Allez, je sais, elle est déjà à 300% là. Aïe, 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 aïe. Non, ne flânez pas, mais ne flânez pas. J'ai plus aucun yokai en vie. Mais non. Attendez, c'est pas vrai, je vais devoir utiliser mon remède miracle. Alors qu'on est à la fin du combat, c'est chaud. Oh là là! Allez, un coup, un coup, un coup, un coup! Un coup! Ok, très bien. Voilà, certainement plus qu'un coup, hein, mais... Allez, un coup, un coup! Oui! Ouf! Bon, j'aurais mérité ce yokai, non? Oh là là, mais utiliser un remède miracle juste à la fin, c'est nul, ça! Ok, merci pour le secret de l'âme, sauf que les âmes, on peut jamais s'en servir vu que les yokai bougent. Damnusapion s'approche. T'as dû répondre, mon petit chou. Tu veux te lier d'amitié avec Damnusapion? Bah oui, oui, quand même. Parce que je vais pas le refaire, ce combat, hein, quand même.
Ouais, voyons voir. 12, Regina, Victoria, Liz. Ok, Victoria parce que la reine Victoria et Regina parce que ça veut dire reine en italien. 12, je comprends pas. Pourquoi 12? Parce que 10, ah oui, ok. Parce qu'au jeu de cartes, ça va jusqu'à 10. Après, le valet, c'est le 11, la reine, c'est la 12 et le roi, c'est la 13. Voilà, je comprends pourquoi. Mais alors, le joker, c'est quoi? C'est le 14 ou c'est le 0? Ce serait plutôt le... Ouais, non, je sais pas. J'ai perdu, mais je te suis reconnaissante pour ce combat. Oups, je voulais dire reconnaissant. Je suis pas une vraie dame dans un burger. N'hésite pas à revenir pour un autre combat. Et commencer à parler au féminin. Bon, ok, je peux regagner des vies ici, très bien. Ah, mais attendez, mais il y avait un coffre aussi, je vais le prendre. Ok, merci. Oh non, pas la peine de sauvegarder. Ok, poupée d'argent, génial. Coffre inutile. Et le UK suivant est juste ici. Ok, ils sont tous à droite en fait, au rez-de-chaussée. Tourne-vallée, je suis un prince. Impressionnant, prince de quoi au juste? La Switch. Les joueurs de cartes m'appellent le valet par contre. C'est quoi la Switch? C'est la Switch? Ou c'est la Suisse? Je comprends pas. Mais il veut être un prince, pour avoir autant de glace qu'il veut. Je comprends rien, tu voulais t'habiller en valet ou en prince? Si on suit ta logique, alors je suis aussi un prince. Prince, moi je rêve. T'as vraiment cru que c'est l'habit qui fait le valet? Komasan a dû s'inspirer du costume d'un prince pour le sien. Un prince n'est pas là que pour manger de la glace à volonté. Une autre de mes responsabilités, c'est de combattre tous ceux qui menacent le trône. Allez, on commence le combat. Bon, je devine sa nourriture préférée, hein, c'est les cornets de glace, comme d'habitude. D'ailleurs, Komajiro, c'est les cornets de glace ou c'est le lait? Il me semble qu'il adorait le lait dans Mecha Watch 1. Je sais pas. Alors, voyons voir. Ok, objet. On envoie ça, et donc, Komasan... La glace, ok. C'est bien ce qui me semblait. Au moins lui il va pas pouvoir regagner de vie. Même s'il en regagnait pas énormément, mais bon, oh, hausse de la défense, c'est pas ouf non plus. Hein. Parce que mes yokai ils font plus aucun dégât quoi. Ah, déjà le blaster? Eh ben écoutez, tant mieux. Pas l'amitié, hein. Pas 4 fois de suite l'amitié quand même. Ça suffit, hein. Ça suffit, on l'a assez vu. Oh non. Non mais c'est une malédiction quoi. Genre jusqu'à la fin de l'épisode je vais me retrouver qu'avec l'amitié, c'est ça? Ça sert à rien. Oh, c'est ultra frustrant. Bon bref, allez, et on peut pas, on peut même pas passer. Non, d'accord. Genre on peut même pas annuler, faire pause, c'est bon, je veux pas faire le blaster. Genre histoire même que ça te recharge pas ton blaster, mais au moins que tu fasses pas l'animation quoi, parce que ça dure 15 secondes pour rien quoi. Ça va, il fait quand même beaucoup moins mal que Yusapion. Hein. Non, ça va aller, ça va aller. Il est déjà à la moitié de ses vies perdues. Je pense que je vais même pas réutiliser le blaster pour lui. Parce que je pense que le blaster va se recharger, mais je l'utiliserai pas. Parce que je vais le garder pour un autre yokai, on sait jamais ce que ça peut être après. Allez. Ouais, ça va vite. Hein. Il fait quand même un petit peu mal, hein. Mais beaucoup moins que Yusapion. Yusapion avait l'air sacrément puissant, hein. Yusa Queen, Yusapion. Allez. C'est presque fini. Mais il a beaucoup de défense, c'est ouf. Dans tous les cas, n'hésitez pas à dire donc dans les commentaires quel est votre yokai préféré des 6, même si vous les avez pas encore vus. Hein. Mais n'oubliez pas. Hein. Glace spéciale, ouais, cool. Valet Komasan. Tourne au valet, tu sais où je pourrais trouver de la glace royale? Bah, tu viens de m'en donner. Quelle question. Ok, très bien. Ouais, regardons. 11, Val, Ganarel, Figaro. Figaro, c'est dans un opéra, ça? C'est un opéra ou c'est une pièce de théâtre? Je crois que c'est un opéra, Figaro. Sganarelle, j'en ai absolument aucune idée. 11, je sais pourquoi, et l'autre, je sais plus ce que c'était. Bref, ok. Bon, très bien. Es-tu un ennemi de la couronne? Mais non. Allez. Bon, passons à la suite. Bon, je regagne des vies, mais il est juste là, l'autre. Hein, c'est pas un valet, c'est le Joker. C'est quoi ce costume? Oh là là, tu m'as reconnu, n'est-ce pas? Ah bon? Alors, tu penses quoi de mon costume? Plutôt mignon avec la faux, non? Mignon? On dirait un clown qui fait peur. Tu n'es pas loin du compte avec l'idée du clown. Je joue le Joker. Le Joker, c'est un atout, rarement utilisé, mais un atout quand même. Donc, j'ai du temps à faucher, et c'est pour ça que tu es là. Tu vas m'aider à faucher le temps. Affrontons-nous! Ok, c'est parti. C'est enfin l'heure de sortir l'atout de son jeu de cartes.
Tu vas vite te rendre compte que le Joker surpasse tout. Est-ce qu'on peut devenir ami avec Whisper normal dans ce Yuka Watch? On pouvait dans Blaster, dans le 2 on pouvait pas. Dans celui-là je sais pas. D'ailleurs je sais pas ce qu'il aime Whisper, on va voir ça juste après. Alors, voyons voir, il aime la glace, d'accord, c'est parce qu'il a une tête de glace, c'est ça? Enfin, en tout cas, c'est Jibanyan qui, enfin, c'est Komasen qui à chaque fois croit que c'est une glace. Pas l'amitié, parce que là, il fait super mal, donc pas l'amitié quand même. Genre, même si c'est pas les dégâts élevés, juste les dégâts... Oh là 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 là, c'est trop nul. Le jeu me troll. Le jeu me troll. Non mais c'est dingue. Franchement ils auraient dû faire ça autrement. Ils auraient dû faire en sorte par exemple que genre les mignons, tu mets une médaille mignon, c'est de l'amitié. Tu mets une médaille vaillante, c'est des dégâts. Et ils auraient dû faire ça quoi. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ce système là. Ça paraît pourtant logique en plus. Les bienveillants par exemple, tu peux regagner des vies. Les insaisissables, ça recharge la barre d'âme ultime de tes yokai. Il y a un truc du genre quoi. Enfin... Je sais pas. Après, ça aurait peut-être fait beaucoup de choses dont il aurait fallu se souvenir, mais c'est pas grave. Je sais pas, on se souvient déjà de pas mal de choses dans Yuka Watch, on n'est pas à ça près. Enfin bref. Oula, il fait mal. Arrête. Ok. Ah, il vient de bouger, attendez. Ouais, mais attendez, mais il peut bouger très vite là. Hein. Il rebouge pas, il flâne. Il bouge pile au moment. Oh là là. Le mec qui a inventé ce système, mais je le hais. En fait, je crois que j'aime encore moins le système de combat de Yuka Watch 3 que de Yuka Watch 1 et 2. Genre, il est encore plus frustrant, je trouve. Pour les boss, c'est globalement la même chose, mais alors... Ça arrive de faire 6 fois de suite l'amitié. Surtout quand tes yokai ils sont déjà à 100% d'amitié quoi. Et vous allez voir que le jour où je vais tomber sur un yokai, genre par exemple Dynamo ou je sais pas quoi, j'aurai pas l'amitié hein. J'aurai pas l'amitié une seule fois. Je vais tomber que sur des gars élevés en plus, bien entendu, parce que sinon ce serait pas drôle. Bon allez, allez. Oui. Il est bientôt mort. Pareil, hein, si mon blaster se recharge, je le réutiliserai pas, j'attendrai le prochain combat. Même si en fait, je ferais mieux de pas l'utiliser le blaster, c'est du temps perdu. Mais ça peut être tellement de temps gagné. C'est ça aussi. Allez, un coup, un coup, un coup, un coup, un coup. Ok, voilà, très bien. Ah, il y avait la bulle. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'aurais eu double XP ou double vie. Enfin, double XP ou double argent, c'est pas grand chose. Hein, vu de toute façon qu'on gagne rien. Salut! Eh bien, tu as de belles cartes en main. Voudrais-tu y ajouter un joker? Ouais. Jasper. Ah, alors, oui. Donc, voyons voir. Joss, Joker, Bouffon, Jock. Ok, il n'a pas de chiffre. Ils auraient peut-être pu l'appeler Zéro, sinon. Ça lui serait allé comme nom. Ok, voilà. Whisper nous rejoint. Enfin, Jasper, plutôt. Le Joker est le dindon de la farce. Mais je n'étais pas sérieux, ce n'était qu'un jeu, oui, une bouffonnerie. Reviens m'affronter bientôt, s'il te plaît. Là, je ne serai plus le dindon de la farce. Ok, très bien. Je crois que j'ai trouvé les deux derniers yokai. Là, il y en a un juste au-dessus, et il y en a un normalement là. C'est à droite, donc dans le bâtiment en haut, premier étage à droite. Je m'appelle Asdonian, je suis l'élite des soldats de cartes. Je m'occupe de défendre le roi et la dame. Tu les sers, mais dans la hiérarchie des cartes, tu as plus de valeur. Le chapeau, la ceinture, la cape, ça te va bien, l'épée aussi. Comment ça? Il a pas plus de valeur que le roi et la reine de... Ah mais si, c'est l'as. Chaque fois, je pense que c'est le chevalier, mais non. Mais il se trouve que je dois résoudre une affaire sérieuse. À vrai dire, j'utilise toujours les pattes, je ne sais pas bien manier l'épée. Je te serais bien redevable si tu pouvais m'affronter dans une joute amicale. Ok, c'est parti. Avec ton aide, je vais devenir le meilleur épéiste du royaume. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il aime, Auvergnan, déjà? Je sais plus, ça fait longtemps aussi, hein. Donc, déjà, il aime le fruit défendu. C'est de la triche. Mais non, c'est pas de la triche. Donc, il aime les fruits de mer. Eh ben, écoutez, tant mieux pour lui.
je vais faire ça, non? Ok. Ah, il rebouge au bout de 3 cases. Enfin, de 3 tours. C'est ultra rapide. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il va bouger, il va bouger, il va bouger. Non, mais sérieusement! Mais ça me cave! C'est n'importe quoi! Les âmes ultimes, autant de jamais les utiliser, quoi. C'est ouf! Oh là là. Faudra avoir un yokai qui, son âme ultime, elle peut avoir tout, quoi. Ok, j'ai eu peur. Genre l'expression de mon visage venait encore une fois de... Enfin, je venais encore d'être extrêmement déçu. Bon, je l'aurais sûrement pas tué, hein, mais c'est pas grave, hein, lui retirer les 3/4 de ses vies, enfin même... les 9/10 de ses vies, quoi. Il a plus rien, là. Eh bah oui, il est mort. C'est quand même bien pratique, hein. C'est pour ça qu'ils veulent jamais me donner le blaster de dégâts. Parce qu'en fait, c'est sûr de le tuer super rapidement. Allez, voilà, l'as. T'es l'as des as. Jouons carte sur table, je veux être ton rival. Veux-tu te lier d'amitié? Bah oui, 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 quand même, quand même, quand même. On dirait un pirate un peu. Avec genre son chapeau. Ouais, voyons voir. Donc il s'appelle As, sûrement. L'as, voilà. Asnian, As, Ace. Ok, Ace ça veut dire As en anglais. Tout simplement. Ok, il en reste plus qu'un. Je sais où il est, hein, je l'ai vu. Il est juste au-dessus. Et en fait, pourquoi ils sont tous à droite et il n'y en a aucun à gauche? Il va y avoir d'autres yokai à gauche à un moment? Je sais pas. Je suis loin d'être un as de l'épée, c'est évident. Si tu veux bien, reviens t'entraîner avec moi un de ces jours. Je crois que je m'améliore plus rapidement quand vous m'aidez. Ok, bah on reviendra jamais, hein. Donc ces yokai, oui, j'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez les avoir, quelle que soit votre version, hein. Faut juste avoir les QR codes. Salut! Waouh, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu étais une carte géante. Je suis un soldat carte. Mon nom c'est 10 de Komagiro. Je suppose que c'est à peu près le seul nom qui te va. Je suis un grand et puissant soldat. Je suis là pour protéger tout le monde. Mais t'es le plus nul de toutes les cartes qu'on vient de voir. Aïe, arrête de me piquer avec ta lance, même si je suis un fantôme. Ce n'est pas facile de manier une lance. Je ne me débrouille pas très bien. Hé, hey, vu que tu n'as rien à faire, tu veux bien t'entraîner avec moi? Eh ben oui, c'est parti. Il n'y a pas bien de me le dire 10 fois. Je vais protéger tout le monde avec ma langue. Donc est-ce qu'il aime le lait ou est-ce qu'il aime les glaces? En même temps, il est pas obligé d'aimer la même chose que son frère. Enfin, je veux dire, vous, votre nourriture préférée, votre plat préféré, c'est le même plat que votre frère ou votre sœur. En tout cas, pas moi. Hein. Donc, il peut aimer le lait et son frère la glace. Hein. C'est pas illogique. Il aime le lait, voilà. Non, c'est pas illogique du tout, hein. C'est chacun ses goûts, hein. On peut être frère et sœur, ou père et fils, ou mère et fille, ou je sais pas quoi, et pas aimer la même chose. Oula, attendez, il prend aucun dégât, il fait énormément de... Il fait super mal, alors que c'est censé être le plus nul du jeu de cartes, c'est quoi ce délire? Non, non, va, attends, va te cacher. J'espère... Attendez. Non, mais là, il va bouger. Ah ouais, bien sûr, il bouge au mauvais endroit. D'accord, c'est pas bien du tout. Je vais plutôt mettre lui. On a bientôt le blaster, j'espère. Oh là là, mais c'est le plus fort, en fait, non? Bah, Yusapion était pas mal, hein. Yusapion. Elle était pas mal aussi. J'aurais dû l'appeler comme ça, Yusapion. Faudrait que je trouve mes mogres pour les renommer. Allez, blaster, blaster dégâts. Blaster dégâts, hein. Vous me la refaites pas à l'envers, là. Ok. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Parfait. Ouf. J'ai eu peur. Hein. J'ai eu vraiment peur. Ah, Ikeji, est-ce qu'il est jouable dans Yokai Watch 3? Genre le Yokawa... Enfin, le Komajiro DJ. Ce serait cool. Ouf. Bon, on s'en est sorti. Les premiers combats étaient plus difficiles, j'ai l'impression, en fait. Oh, mais on a gagné aucun niveau. C'est nul. Salut. Elle est trop belle, sa lance. 10 de Komajiro s'approche. En plus, elle bouge, sa lance. Non, elle est vivante. Genre la flamme, elle est animée, je crois. Hein. Pardi, 10 sur 10 pour ce combat. Soyons amis, plutôt 10 fois qu'une. Oui, je veux me lier d'amitié. 10 de Komajiro. Il a des gants super stylés. Ouais, voyons voir le nom. Bah 10 hein, sur moi, voilà, voilà. Dekakoma. Ah, Deka, ça veut dire 10 en... Ah, je sais jamais si c'est en grec ou en latin. Je sais jamais.
Ah, je sais pas, c'est en latin ou en grec. Déca, c'est... Parce qu'un décagone, c'est pas un... Enfin, pas un carré, mais une figure géométrique avec 10 côtés, mais je sais pas. Je sais pas si c'est en latin ou en grec. Genre octogone, hexagone, tous ces trucs-là, je sais que c'est, ça vient... Les deux... Enfin, ils viennent tous de la même langue, mais je sais pas laquelle c'est. 10... Ok, déca. Non mais attendez, mais c'est une blague. Genre, c'est les noms les moins originaux qu'on ait vus de tous. Bon, tant pis. Alors, on va quand même aller, comme à notre habitude, comparer les différents yokai. Je sais pas s'ils sont à peu près tous au même niveau ou pas, mais... J'ai perdu 0 sur 10 pour 10 de Komadiro. Je dois m'entraîner plus si je veux devenir un as de la langue. Tu voudras bien m'aider de nouveau? Ça m'aiderait bien, dis donc. Dis donc. Ça m'aiderait bien, dis donc. Alors, voyons voir nos médailles. Non, par nouveau. Donc, on a commencé par Roi Jibanyan. On va d'abord regarder les talents. Donc, booste la défense quand les PV sont au maximum. En fait, ça dure que pendant un coup, quoi. C'est nul. Restaure lentement les PV de tous les alliés reliés. Ah, c'est bien, ça. C'est très bien. Supprime les effets négatifs de cases en étant dessus. Il a toujours ça, Komasan. Je trouve ça nul, hein. Il avait ça aussi, Komasan, je trouve ça... Enfin, en fait, ça peut être très bien, mais c'est tellement rare que ce soit utile, que en fait, bah, c'est une fausse bonne idée, quoi. En attaquant, ignore les effets des grâces de la cible. Je sais toujours pas ce que c'est qu'une grâce, hein, mais bon. Susceptible d'infliger des coups critiques. Ok, pas mal. Célérité. Ignore la défense adverse lorsqu'il attaque. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. En plus, il a beaucoup de force. C'est même celui qui a le plus de force. Donc c'est pas mal d'ignorer la défense adverse. Je me suis trompé. Non, alors... haute tension... Ok, c'est toujours un électrique. Lui, c'est un de vent. Lui, c'est un vortex. Ça lui va bien, d'ailleurs. Lui, c'est un de feu. Rah, il n'y a que son âme ultime qui rend des PV. Rah, c'est nul, sinon je l'aurais bien mis dans mon équipe. Ah ouais, c'est dommage. C'est dommage, je l'aurais bien mis dans mon équipe. Découpe les ennemis à portée avec une épée digne d'un roi. Donne à un allié une majesté royale qui augmente les stats. Est-ce que j'en mettrais pas un dans mon équipe quand même? Non. Je sais pas, je vais y réfléchir, mais je suis pas sûr. C'est dommage pour Damien Yusapion parce que j'aime beaucoup son talent. Donc j'aurais bien mis Yusapion à la place de... de Tofupion. Mais sauf qu'en fait, c'est pas vraiment un soigneur. Genre, il a un talent de soigneur, il a une âme ultime de soins, mais il soigne pas de base. Donc non, dommage, dommage. En plus, il n'y a aucun soigneur dans le tas. Donc, tant pis. Mais je les aime bien, quand même, ces yokai. Ils sont assez stylés. Hein. Roi Jibanyan, Dame Yusapion, Valet Komasan, Jospeur, Asdenian et 10 de Komadiro. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires de cette vidéo quel est, parmi ces 6 yokai, votre préféré. Moi, je sais pas. Jospeur, je le trouve un peu cool, même si pour un joker... J'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus foufou, en fait. Genre, peut-être pas autant que le Joker de Batman, mais... ça manque un peu de fantaisie. Enfin, je trouve que, genre, Valet Komasan, il a l'air d'avoir déjà un peu plus de fantaisie que Jospeur, alors que le Joker, c'est celui qui va avoir le plus de fantaisie. Dame Yusapion, elle est trop drôle. Elle est trop drôle. Mais au niveau des stats... Enfin, les stats, je sais pas. Je sais pas trop. Mais au niveau des pouvoirs, je suis un peu... Je sais pas, il y en a vraiment aucun pour lequel j'ai vraiment un coup de cœur, là. J'aurais bien voulu qu'il y ait un soigneur. Jospeur à la limite. La colonne devant lui n'a droit à aucun joker face à sa faux. Ouais, non, enfin il a vortex quoi. Ils sont pas si mauvais, surtout qu'ils commencent niveau 30, mais je m'attendais à mieux. Enfin bref les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Yo-Kai Watch 3 en français pour notre tuto. J'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine on se retrouve peut-être pour un autre tuto, ça dépend, ça fait super longtemps que je veux avoir ces deux Yo-Kai là, mais j'ai pas encore la zone, donc on verra. Dans tous les cas, merci à tous, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut!